Parfait. Bonjour tout le monde. C'est le début de notre dernière séance du journée au Camp de carrière à 2023. Et ça, c'est le deuxième journée. Cette séance est intitulée Le développement des carrières en région dans un monde hybride. Alors, veuillez noter que cette session sera offerte en anglais et en français simultanément. Si vous êtes dans la mauvaise session et vous voulez la session en anglais, vous pouvez aller aux fonctions Vie Expo et puis sur l'ordre du jour, vous pouvez trouver le lien pour la séance en anglais intitulée Regional Career Development in a Hybrid World. Je vais voudrais commencer par reconnaître que je suis ici sur le territoire traditionnel non cédé des peuples Anishinaabe algonquins. Les Algonquins vivent sur ce territoire depuis des temps immémoriaux. Et je vous encourage toutes à reconnaître le territoire sur lequel vous vous trouvez maintenant. Le Camp de carrière et la plus grande conférence du gouvernement du Canada, son seul objectif est de vous soutenir dans votre parcours professionnel. Au fur et à mesure que nous progressons dans la session d'aujourd'hui, veuillez partager vos questions en utilisant le bouton questions et réponses, qui est nommé QA sur la fonction Zoom, dans la langue de votre choix. Alors, vous pouvez voter pour les questions que vous voulez voir posées en cliquant sur le bouton pouce en l'air. Comme pour toutes les séances du réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux, cette séance sera enregistrée avec vous. Pouvez revenir pour voir les pensées, les conseils et aussi partager cette vidéo avec vos collègues, vos amis et tout ça. Alors, les vidéos de chaque session d'aujourd'hui, ça va être sur le canal YouTube. Au fin du journée aujourd'hui. Avec aucun autre délai, je vais passer la parole à notre modératrice pour aujourd'hui, Gabrielle. Merci beaucoup à nos panélistes et modératrices pour nous joindre aujourd'hui. Merci, Josh. Donc, bonjour tout le monde. Bienvenue à la session Le développement des carrières en région dans un monde hybride. Donc, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Gabrielle Sergent, je suis coordonnatrice de projet principal dans l'équipe des communications internes et innovations au Centre des pensions. J'ai étudié en communication à l'université, j'ai travaillé en gestion de projet, en organisation d'événements, ainsi qu'en tant qu'agente de programme pour divers ministères comme Patrimoine canadien, Femmes et égalité des genres et maintenant Services publics et approvisionnement, donc pour le Centre des pensions. J'ai toujours occupé des postes en région, donc la session d'aujourd'hui est particulièrement pertinente pour moi. Fait que ça me fait plaisir d'être votre modératrice pour la session d'aujourd'hui. Je vais commencer en vous parlant des objectifs d'apprentissage. Donc, qu'est-ce qu'on espère que vous allez apprendre avec la session? Premièrement, valider quel type de rôle doivent être effectués dans la région de la capitale nationale ou dans une région du siège social et pourquoi? Deuxièmement, justifier que certains rôles peuvent être effectués de n'importe où. Et troisièmement, démontrer comment le fait de travailler dans une région peut apporter une valeur ajoutée à l'employeur. Donc, je vais commencer par vous présenter les deux panélistes qui vont se joindre à moi pour la session. Donc, premièrement, Amélie Frenette. Amélie a commencé son parcours au sein de la fonction publique en tant qu'étudiante au Centre des pensions. Récemment diplômée en droit et en travail social, Amélie est passionnée par la sensibilisation à la diversité et à l'inclusion, les questions de santé mentale ainsi que la création d'une forte présence des langues officielles en milieu de travail. Elle est présentement présidente du réseau Avant-Garde, le réseau de jeunes professionnels de services publics et approvisionnement. Notre deuxième panéliste aujourd'hui est Élisabeth Martin. Élisabeth travaille actuellement comme conseillère en ressources humaines pour Services partagés Canada. Elle est également membre du conseil d'administration des ambassadeurs du réseau d'antiracisme. Elle a aussi dirigé plusieurs activités du caucus des employés fédéraux noirs, chapitre de la Colombie-Britannique. Donc, comme vous pouvez le constater, deux personnes très qualifiées pour aborder les sujets de la session d'aujourd'hui. Avant de commencer, on va lancer quelques petites questions de sondage dont on va partager les résultats. Donc, première question, votre équipe est-elle A, principalement dans la même ville? B, dispersé au niveau régional et C, dispersé au niveau national. La deuxième question, le fait de travailler à distance pendant la pandémie a-t-il élargi votre réseau? Donc, soit pas du tout dans votre ministère ou dans l'ensemble du gouvernement du Canada.
Donc, vous pouvez répondre à la question sur votre écran. Donc, on a des petits résultats pour le sondage. Donc, 43 % des gens ont dit que leur équipe est principalement dans la même ville, avec 36 % dispersés au niveau national et 21 % dispersés au niveau régional. 45 % des répondants ont dit que le fait de travailler à distance pendant la pandémie n'a pas du tout élargi leur réseau. 38 % dans leur ministère et 17 % dans l'ensemble du gouvernement du Canada. Donc, c'est très intéressant comme résultat, puis c'est des sujets dont on va discuter aussi aujourd'hui. Donc, on va commencer avec quelques petites questions pour nos panélistes. Donc, premièrement, quel type d'emplois doivent être effectués en personne? Donc, je vous laisse la parole à celle qui aimerait répondre en premier. Ben, je peux bien commencer. Tout d'abord, j'aimerais juste dire allô à tout le monde, puis reconnaître... que je ne suis, puisque je suis en région, je ne suis pas dans la région de la capitale nationale. J'aimerais reconnaître que je travaille et je vis dans des territoires non cédés des peuples Mi'kmaq au Nouveau-Brunswick. Je suis vraiment contente d'être ici avec vous autres. Donc, quel type d'emploi doivent être effectués en personne? Je trouve que c'est une question qui peut être à la fois subjective et objective. Parce que je pense que ça dépend qu'est-ce qui est les priorités de chaque personne puis le mandat de l'organisation. Par exemple, auparavant, je pensais que j'ai commencé au centre de pension, je pensais que mon travail au centre de pension était très essentiel à faire au bureau, mais vraiment la pandémie est arrivée puis on était tous à la maison par la suite. Fait là, la pandémie a vraiment ouvert les horizons là-dessus. Puis on a plus compris là, il y avait beaucoup de choses qu'on était capable de faire en distance, vraiment. Pour moi, les seuls jobs qui sont super importants à faire en personne, c'est si qu'il y a des grosses conférences en personne, mais évidemment, les personnes doivent être là. On peut faire comme tout de suite virtuel. Des exemples que j'ai dans la tête tout de suite, ce serait peut-être les personnes qui service à la clientèle dans les bureaux comme Service Canada qui doivent être là justement pour faire leur travail ou les personnes qui travaillent en construction qui doivent être dans les endroits spécifiques pour pouvoir faire le travail. Mais si le travail est fait principalement devant un écran d'ordinateur puis qu'on n'a pas besoin d'être face à face avec une clientèle ou quelque chose, c'est peut-être pas aussi nécessaire qu'on le pensait. Donc, c'est un peu ça ma pensée tout de suite. Je ne sais pas si Elisabeth aimerait rajouter là-dessus. Merci beaucoup, Amélie. Je suis ravie de faire partie de cette discussion sur ce sujet qui est assez important et qui génère auprès de certaines personnes de l'anxiété. Et nous sommes là afin d'aborder ce sujet et de démystifier ce sujet. Je tiens à mon tour à reconnaître que je me trouve sur les territoires non cédés ancestraux des peuples de la côte Salish, Musqueam, Queensland également, et je tiens à exprimer ma gratitude. Je suis tout à fait d'accord avec Amélie, avec ce qui a été exprimé. Et je souhaiterais juste, en fait, raconter une petite histoire. Je travaillais auparavant pour une très, très, très grande agence. Et cette agence, en fait, avait des locaux, des guichets, et également, en fait, 4 ou 6 centres d'appel nationaux. Et une décision, en fait, a été prise de clôturer, en fait, les guichets, puisque les gens préfèrent appeler. Et nous nous sommes rendus compte que certaines personnes fragilisées ou en situation un peu plus précaire avaient besoin de ces services en personne, tels que les personnes âgées, des personnes également, des nouveaux arrivants.
qui avaient des difficultés, par exemple, à naviguer le système téléphonique, ou des personnes qui étaient en situation de handicap et qui souhaitaient en fait avoir un service un peu plus spécialisé, je dirais. Et puis aussi, il y a les personnes qui ont besoin du contact humain. Il y a des personnes qui ont besoin du contact humain et on ne s'en rend pas compte jusqu'au jour où on est confronté à cette idée. Donc, en fait, je souhaitais aborder un petit peu ce sujet parce que oui, effectivement, avec la pandémie, nous nous sommes rendus compte qu'on peut travailler partout de la région. Et ça, c'est important étant donné que les employés régionaux se plaignent bien souvent du manque d'opportunités d'avancement professionnel. Mais d'un autre côté, il y a des personnes qui ont besoin de cette présence. Merci. Merci, Elisabeth. Donc, deuxième question qui va un peu dans le même sens. Quelles tâches sont mieux effectuées avec des collègues en personne? Donc, là, on parle aussi de la relation avec nos collègues. Je dirais en fait que pour les situations en fait assez délicates, assez complexes, où il y a un besoin en fait de collaboration stratégique due au, à la complexité ou au défi, là, peut-être qu'effectivement, je pourrais imaginer qu'il est beaucoup plus important d'être, par exemple, en personne. Parce qu'en fait, on n'y pense pas toujours, mais la fonction publique est tellement variée. Ça va de la construction, l'ingénieur, le cuisinier, etc. Mais il y a en fait des types d'emplois où il est préférable d'être à deux ou trois plutôt que tout seul. Donc, ce sont en fait le type d'emplois qui me viennent en tête. Amélie? Oui, ben, je suis entièrement d'accord avec toi. On s'est juste rencontrés la semaine passée, mais on pense vraiment pareil, c'est incroyable. Pour moi aussi, c'est surtout une affaire de collaboration puis de contact humain. Parce que même si que la job peut être faite à la maison, des fois, ça ajoute un élément dont on ne se rend pas compte qu'il nous manquait. Mais j'aimerais aussi ajouter que pour moi, toute la question de région hybride, télétravail, puis tout ça, comme pour moi, ça en revient plus à une question de choix aussi, que les gens puissent vraiment choisir puis avoir des opportunités puis des accommodations dont ils ont besoin pour faire leur travail dans une situation où ils se sentent bien. Par exemple, pour moi, là, tout de suite, je suis Nouveau-Brunswick, mais tellement mon travail est dans la région de la capitale nationale. En étant président d'un réseau avec service public approvisionnement, puis ça fait en sorte que je travaille entièrement virtuellement. Puis je suis quelqu'un qui a vraiment beaucoup besoin de contact humain, puis je travaille mieux avec des personnes autour de moi qui travaille aussi, parce que ça me permet de contrer le dysfonctionnement exécutif qui vient avec mon TDAH que j'ai découvert que j'avais pendant la pandémie, justement. Puis aussi, je suis quelqu'un de super extraverti, puis je suis comme the life of the party, là, fait, aller dans le bureau, pour moi, c'est vraiment avantageux. Mais c'est pas nécessairement le cas pour tout le monde, puis je pense que c'est important de respecter que toutes les personnes sont vraiment différentes là-dessus. Comme tâche spécifique, je sais pas, c'est sûr que si t'es cuisinier, là, c'est sûr que c'est encore plus facile d'être dans ton équipe, dans la cuisine de ton travail que de le faire chez toi, là. C'est pas possible de faire ça. Mais oui, je pense que ce serait surtout la collaboration, puis aussi le contact direct en personne avec les clients, là, comme Service Canada, par exemple. C'est pas mal assez de m'en poser cette question-là, je pense.
Si je peux me permettre, Amélie, en fait, m'a fait penser à des points assez importants. Ce sont plutôt des sujets annexes, adjacents à la question, mais je pense en fait qu'il serait intéressant d'utiliser cette opportunité aussi pour pouvoir donner des options, particulièrement en ce temps où on nous a demandé en fait de retourner. Au bureau, pas au travail, parce qu'on travaillait toujours, mais au bureau, et en fait, de s'adapter au travail hybride. Pour les personnes, par exemple, qui ont des difficultés sensorielles ou qui ne peuvent pas, par exemple, travailler dans le bruit, étant donné qu'on nous demande de retourner au travail, certaines personnes ne supportent pas, par exemple, que d'autres personnes s'arrêtent à côté de leur petit coin et commencent à discuter, etc. Pensez en fait au passeport sur l'accessibilité. Avec ce passeport, vous pouvez en fait indiquer, je vais essayer de simplifier un petit peu vos besoins et ça vous évitera aussi d'avoir en fait à entrer. À réexpliquer de nouveau quels sont vos besoins, etc. Parce que ça aussi, ça peut être un obstacle pour certaines personnes qui se disent, et ça recommence. On va me demander pourquoi ci, pourquoi ça. Donc, utilisez le passeport sur l'accessibilité. Et si vous ne vous sentez pas à l'aise pour avoir en fait cette discussion difficile avec votre gestionnaire ou votre superviseur parce que vous avez peur d'être qualifié comme la personne à problème, la personne qui se plaint toujours ou qui a toujours des besoins, alors que ça ne devrait pas être le cas. N'hésitez pas en fait à faire appel à votre bureau de l'Ombuds parce que ce bureau justement est là pour pouvoir faciliter les conversations, surtout si vous avez en fait un peu de difficulté à exprimer vos besoins. Merci. Oui, merci à vous. Donc, je vais passer à... Je vois qu'il y a des questions dans la fonction questions et réponses, fait qu'on peut passer aux questions qui sont là. Donc, ça touche aussi, c'est intéressant, j'en lisais un peu tantôt, puis ça touche à beaucoup des sujets dont on a un peu parlé avec les deux premières questions, mais qui sont plus axés sur la portion région de notre session d'aujourd'hui. Donc, première question, je trouve très difficile d'obtenir une promotion en région. On dirait que tous les réseaux sont fortement axés sur la RCN. Avez-vous des conseils pour trouver des emplois, particulièrement en communication, en région? Ça fait 10 ans que je travaille au gouvernement et malgré plusieurs contrats IS3, je suis encore pris dans une position indéterminée AS1. C'est une question super intéressante parce qu'avant la pandémie, je me la posais également. J'avais peur de rester comme stuck dans ma position. Puis la pandémie m'a ouvert les portes pour ça aussi. Vraiment, mon plus gros conseil, ce serait d'être très fort sur le pour. Je ne sais pas pourquoi, mais le mot me vient seulement en anglais, mais être un advocate pour soi-même, puis pas avoir peur de se mettre de l'avant. Puis, oui, les réseaux, tout de suite. La seule raison que je suis présidente du réseau présentement, c'est probablement parce que la pandémie a fait en sorte que les réseaux ont vraiment ouvert leurs horizons aux régions, parce que je suis d'accord que les réseaux se concentrent beaucoup sur les régions de la capitale nationale. Que pour moi, je trouve un peu désolant parce qu'il y a des gens formidables partout au Canada. Donc, un de mes buts en étant président du réseau, c'est justement de mettre en avant comment est-ce qu'il y a beaucoup de personnes super qualifiées dans les régions, puis vraiment mettre de l'emphase sur comment on peut pas vraiment garder le gouvernement comme d'un silo, puis penser que c'est que Ottawa, puis Gatineau, tu sais. Pour des astuces concrètes, puis ça, je sais pas si je suis la personne la plus qualifiée pour ça, parce que je trouve que comme j'ai juste été un peu chanceuse dans mon parcours,
parce que j'ai commencé au centre de pension, puis là, la pandémie est arrivée, puis à cause que les réseaux de la diversité de mon ministère a ouvert leurs horizons aux régions, je me suis inscrite au réseau de la diversité, puis ensuite de ça, j'ai eu l'occasion de faire une micro-mission avec les réseaux de la fierté de mon ministère. Puis là, ça m'a permis de connaître beaucoup de monde de la région, de la capitale nationale, y compris l'ancien président d'Avant-Garde qui venait de ma région aussi, vraiment. Enfin, pourquoi au Nouveau-Brunswick, on est beaucoup vraiment qui habitent au Nouveau-Brunswick mais qui travaillent pour la capitale. Puis là, quand que lui essayait de trouver la nouvelle présidence, ben, j'ai sauté sur l'occasion. Puisque je savais que ça allait m'ouvrir beaucoup, beaucoup de portes. Mais je sais que c'est une question qui peut être vraiment pas polémique, mais un peu, là, parce que c'est vrai, c'est vraiment difficile. Puis j'espère que l'hybride, puis le télétravail, puis les réseaux vont vraiment aider à apporter de nouvelles opportunités. Je pense que s'engager fortement dans les réseaux, être son propre avocat, puis faire beaucoup, beaucoup de réseautage. Pour moi, Inouï, c'est ça qui m'a beaucoup aidé. Je suis certaine qu'Elisabeth a quelque chose à ajouter là-dessus parce que on est des deux côtes différentes, donc nos expériences sont très variées, donc c'est vraiment le fun. Merci Amélie. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je dirais en fait, créez-vous un réseau, créez-vous un réseau, créez-vous un réseau et ne vous limitez pas à votre ministère. Absolument pas. Ça, c'est une erreur. Dans mon en fait ministère ASPC, le réseau des employés noirs en fait organise tous les mois, une conversation avec des dirigeants noirs. Et le 11 janvier, nous avions invité en fait Madame Naomi Bambara, qui est en fait la directrice de l'unité contre le racisme, l'inclusion, diversité, équité et accessibilité à Global Affaires Canada. Et elle nous expliquait, pour créer votre réseau, c'est très simple. Parler aux gens. Tout simplement, n'est-ce pas? Parler aux gens, tout simplement. Vous lisez par exemple la gazette de votre ministère, vous voyez qu'une personne par exemple a été promue, envoyez un courriel à la personne ou alors un message sur MS Teams. Félicitations, j'ai lu votre petite biographie parce que généralement il y a toujours un petit commentaire. Seriez-vous disponible pour un café virtuel de 15 minutes? C'est tout. Vous n'avez rien à perdre. Soit la personne vous dira non, ce sera la perte de l'autre personne, pas la vôtre, ou elle vous dira oui et vous pourrez en fait avoir une petite conversation. Hein? Ça vous permettra de développer vos habiletés en fait d'élocution. Parce qu'il y a des gens qui sont introvertis. Deux, ça vous permet en fait de sortir de votre zone de confort. Et puis, plus en fait on communique avec les gens, plus on se cultive, plus on apprend des choses. Et puis, c'est de cette façon aussi que que votre nom circulera. Donc, ça, c'est important. Apprenez en fait à connaître les gens, pas pour des fins professionnelles, mais surtout parce que vous êtes curieux et souhaitez mieux connaître et apprendre des personnes. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, engagez-vous. Et là, je vais prêcher pour ma paroisse sans aucune honte. Je suis en fait l'une des membres du conseil administratif du réseau des ambassadeurs antiracisme. On recherche des bénévoles. En joignant en fait Rare ou Erin en anglais, et merci d'avoir indiqué les coordonnées pour nous rejoindre, hein, vous rencontrerez du monde. La côte jusqu'à l'autre côte du Canada. Deux, vous pourrez en fait développer vos compétences transférables.
Donc, non seulement ça vous apportera en fait un changement en ce qui concerne votre routine quotidienne, mais en plus, je vais donner un exemple. Pour les personnes, par exemple, qui travaillent dans un domaine très, très spécialisé et qui veulent en fait changer de carrière, mais on leur demande toujours d'avoir des types de compétences qu'ils n'ont pas. Qui sont difficiles en fait à développer à travers leur travail actuel. Eh bien, en faisant du bénévolat, vous aurez la possibilité en fait de développer ces compétences, les intégrer dans votre CV et aussi obtenir en fait des références. Donc, soyez stratégique. J'ai un petit message à l'intention des superviseurs et des gestionnaires. En tant que conseillère en ressources humaines, on parle beaucoup en plus avec l'appel à l'action du CLER, l'importance en fait de diversifier les talents, particulièrement dans les communautés noires, autochtones, des personnes... Je n'aime pas ce terme racialisé. Et puis, il y a aussi d'autres groupes en quête d'équité. Il est important, en tant que dirigeant, de développer les compétences de ses employés. Pour moi, c'est un trait très important pour un bon dirigeant. Voir, en fait, le potentiel de ses employés et leur permettre de se développer et de se faire les dents. C'est-à-dire qu'ils devraient être encouragés à le faire. Et ça peut se faire lors, par exemple, des réunions tête-à-tête ou même lors des réunions biannuelles ou annuelles des performances, d'évaluation. Et puis, pour les gens, en fait, de ma communauté, c'est-à-dire la communauté noire, engagez-vous auprès de votre réseau d'employés noirs. N'hésitez pas à contacter Aïda Camara, Hakim Abindley et Lisa Daniels. Elles pourront vous mettre en relation avec les personnes en charge des réseaux des employés noirs. Il y a également à ESDC, alors en français, c'est l'EPEN, l'équipe... j'ai oublié, d'épanouissement des employés noirs, excusez-moi. Et une fois de plus, le réseau des ambassadeurs anti-racisme. Dernier petit détail, parce que je pense qu'il faut aussi avoir un discours honnête et franc. Malheureusement, tout le monde ne se sent pas forcément en confiance et parfois les gens ont leur propre complexe. Donc, parfois, on peut avoir des superviseurs ou des gestionnaires qui vont gérer au grain tout ce que vous faites. En anglais, ils appellent ça micromanager, ou alors qui ne vous développeront pas forcément. La fonction publique ne s'arrête pas à votre ministère. Donc, si ça ne va pas, allez voir ailleurs. C'est pas leur... D'accord. Deuxièmement, je pense en fait qu'il est important de ne pas avoir peur. Et je dis ça parce que je souhaite apporter ce témoignage. Ce que j'ignorais en fait, c'est que certaines personnes voyaient que je préparais ma sortie vers justement la région de la capitale nationale. Et effectivement, en m'impliquant, en apprenant des choses sur le coin de mon bureau, j'ai pu obtenir en fait un autre emploi. Et ça, j'espère que je pourrai vous laisser avec ces mots. Quelquefois, il faut savoir créer ses propres opportunités. C'est-à-dire que ne pensez pas que vous devez tomber sur le poste qui vous convient. Quelquefois, c'est vous qui créez votre propre poste. Merci. Merci. Donc, oui, Amélie, voulais-tu ajouter? Oui, ben oui, c'est toujours super intéressant de parler avec Elisabeth. Donc, je suis entièrement d'accord avec tout ce que tu dis, vraiment. Surtout avec créer ses propres opportunités, puis pas avoir peur de recevoir une réponse négative, puisque si on n'essaye pas, ben la réponse va être non de toute façon. Donc, je me suis essayée pour un poste que, dans ma tête,
avec mon anxiété de performance, puis toutes mes anxiétés, j'étais pas qualifiée pour, hein. Puis j'ai quand même essayé, puis je l'ai eu, tu sais. Puis des fois, tout ce que c'est t'apprends plus sur le tas, t'apprends plus sur le job, parce qu'en sortant sa zone de confort, c'est vraiment là qu'on apprend vraiment. Mais si vous pensez que vous n'avez pas des qualifications pour un poste, je vous dirais d'essayer quand même. Même si que ça dit c'est dans la capitale nationale, essayez quand même. On ne sait jamais. Ils vont peut-être trouver votre profil tellement intéressant qu'ils vont vous accommoder pour travailler de la région ou avoir des discussions là-dessus. Puis c'est ça. Puis la pandémie puis le télétravail, je trouve que ça a vraiment ouvert les portes aux régions pour ça. Puis je pense que c'est important qu'on en profite. Puis j'ajouterais aussi que non seulement faire du réseautage est super important, mais aussi c'est de trouver des occasions de mentorat ou de shadowing. Ça aussi, ça peut vraiment vous ouvrir des portes. Par exemple, en ce moment tout de suite, je suis dans un programme de mentorat pour les personnes de la communauté LGBTQ+. Qui était pour toute la fonction publique. Puis, on m'a jumelé avec un directeur exécutif d'un ministère. Donc, ça me crée encore plus de pompes et plus de portes pour peut-être me diriger vers une carrière qui m'intéresse plus. Merci que je suis dans une région. Donc, ça, c'est des opportunités qui peuvent vraiment être épanouissantes. Puis, je vous dirais de vérifier si votre ministère a un réseau de jeunes professionnels. Puis, le jeune, c'est jeune de cœur ou jeune de profession, ça dérange pas, votre âge a aucune importance. Les réseaux de jeunes professionnels souvent collaborent entre eux, entre ministères, pour apporter justement des occasions de réseautage comme ça. Je pense que c'est vraiment important de prendre avantage de tout ça. Merci. Oui, je suis désolée parce qu'en fait, je pense que ce sujet est vraiment, vraiment important. Donc, je souhaiterais en fait élaborer sur les propos d'Amélie parce que j'ai vraiment adoré ce qu'elle a dit. Il faut aussi ne pas oublier qu'il y a les conseils fédéraux régionaux. Le mien est le conseil régional de la Colombie-Britannique. Il y a de l'Atlantique, de l'Ontario et Prairies. Regardez en fait leur communauté d'intérêt, mais aussi leur programme de développement. Il y a par exemple un programme de développement pour les fonctionnaires fédéraux noirs qui a été en fait lancé dans la région de l'Atlantique. Et maintenant, en fait, ce programme est en train de se répandre à travers le Canada. Là, par exemple, en Colombie-Britannique, il s'agit en fait d'un programme de développement des futurs dirigeants noirs. Et donc, en fait, c'est pour vous donner un exemple et une illustration que les régions aussi font bien souvent de belles choses. Le seul problème, c'est qu'on n'en parle pas suffisamment parce que l'optique est vraiment basée sur Ottawa. Ma théorie, c'est que si quelque chose ne me convient pas, j'essaie de voir comment je peux l'accommoder ou alors comment moi aussi, je peux aussi m'adapter quelquefois. Et si vraiment ça ne fonctionne pas, je me crée quelque chose pour moi. Donc, en fait, la raison pour laquelle je dis ça, c'est ne sous-estimez pas en fait vos conseils régionaux fédéraux. Allez voir ce qui se passe vers eux parce que vous pourriez justement rencontrer des gens qui sont dans votre communauté et qui comprendront mieux également ce qui se passe dans votre région. Ça, je pense que c'était un point qui était important. L'autre point, je vais parler pour moi, je ne sais pas pour Amélie ou pour toi, Gabrielle, mais j'aime bien visualiser parce qu'en fait, en visualisant, je peux rêver et puis je peux en fait m'inspirer. Je vous conseillerais, par exemple, de vous demander,
Si, par exemple, j'avais la possibilité, quel emploi me conviendrait le mieux? À partir de ça, essayez de voir les personnes qui occupent cet emploi, pas juste au sein de votre ministère, mais même à travers tout le gouvernement. Ensuite, après avoir vu ça, contactez-les pour juste un petit café virtuel. Faites l'analyse de vos compétences pour voir quels sont vos atouts, quelles sont les compétences que vous devez développer, l'expérience ou les connaissances que vous devez acquérir, afin d'avoir en fait un plan. Si vous n'avez pas de plan, ça va être difficile. Et après ça, n'hésitez pas en fait à surtout si vous êtes dans des processus de sélection et que vous avez été qualifié, qu'est-ce qui vous empêcherait, par exemple, d'aller contacter les ministères qui recrutent en leur disant, j'ai réussi ce processus de sélection, je suis disponible, etc. Et je dirais même aller au culot, si on vous dit c'est pas possible, etc. Je demande toujours vers qui pourriez-vous me contacter, me diriger au sein même de votre ministère ou votre communauté de pratique. N'ayez pas peur. N'ayez pas, soyez votre porte-parole. Merci. Et puis, je sais que je ne suis pas panéliste, mais si je peux me permettre, en ayant fait ma carrière en région aussi, c'est que la perspective, régionale des employés, surtout quand on travaille avec des équipes de gens qui travaillent pour la région de la capitale nationale, c'est une perspective super importante à leur apporter. Si ils sont, prêts à vous écouter, ça peut être très pertinent de l'autre sens aussi, parce que c'est pas toujours la même réalité, en région puis à Ottawa. Surtout pour ma part en communication, des fois les différences sont assez marquées. Donc, c'est vraiment important de vous faire entendre là-dessus aussi. Donc, prochaine question on est encore dans le même sujet. On dirait que les gens qui participent à la session lisent nos pensées. C'est intéressant. La pandémie a eu comme effet de mettre en lumière les talents en région. Plusieurs ministères ont alors élargi leur zone de sélection. Ceci dit, depuis les initiatives de retour au bureau, d'autant plus depuis l'annonce du secrétariat du Conseil du Trésor, je sens un retour en arrière. Les mouvements dans mon ministère sont revenus à n'être offerts qu'aux employés de la région de la capitale nationale. Le réseau Avant-Garde prévoit-il jouer un rôle de représentation de toutes les voix? Puis là, on nomme Avant-Garde, mais j'imagine qu'on peut aussi englober d'autres réseaux dans cette question-là. Oui, certainement. Je pense que ce serait super important de tous les réseaux déjà professionnels, justement, de pas oublier toutes les belles personnalités puis la belle main-d'œuvre qu'il y a justement dans les régions. Puis c'est certainement en étant dans une région moi-même qui travaille pour la capitale nationale, c'est vraiment une lentille que j'amène avec moi dans tout ce que je fais vraiment. Puis c'est vraiment une bonne question. Puis je peux entièrement comprendre pourquoi ça peut amener des anxiétés parce que oui, justement, on peut voir un peu de recul, qu'il y a certains postes qui commencent à être un peu plus fermés au niveau du rayon de la distance que les gens puissent être. Je pense qu'une des choses à faire, c'est probablement de non seulement apporter ces sujets-là à vos réseaux puis à vos personnes en ressources humaines, etc., mais aussi à vos superviseurs, à vos directeurs et directrices, quand vous avez l'occasion de parler avec des hauts fonctionnaires, tu sais, d'apporter ces points-là puis de faire voir que justement que vous avez de la valeur aussi, puis qu'il y a beaucoup de bénéfices à avoir des personnes qui sont dans les régions parce qu'on apporte justement des perspectives nouvelles. Puis on est aussi un pays très vaste, puis je trouve que c'est super important qu'on ait des perspectives de tout le monde qui vient de partout au pays. C'est mon grand sel là-dessus. Je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter aussi. Merci Amélie, je suis d'accord avec toi et
Afin d'être transparente, en fait, le réseau des ambassadeurs anti-racisme a développé, en fait, un communiqué que nous avons partagé, en fait, avec le Conseil supérieur du Trésor et également avec les différentes communautés. Avec les différentes communautés et réseaux de diversité, afin d'exprimer en fait nos soucis et également nos demandes, afin de s'assurer que les fonctionnaires fédéraux puissent travailler dans les meilleures conditions. Donc ça, c'est la première chose. Donc n'hésitez pas à entrer en contact effectivement avec le RAR ou vos réseaux de diversité. Le deuxième point est que je pense que c'est là où en fait on se rencontre en fait avec du recul l'importance une fois de plus d'être son propre porte-parole parce que quelquefois lorsque on travaille pour la région de la capitale nationale il y a peut-être cette tendance de glisser dans la peau de personnes qui ne travaillent plus dans les régions. Ça, c'est une erreur. C'est une erreur. Et je pense que c'est important aussi pour tous mes collègues qui, je dirais peut-être privilégiés ou à défaut d'autres termes, de travailler pour la région de la capitale nationale à partir de région, de toujours, toujours, toujours rappeler nos réalités régionales. Parce que sinon, on les oublie. Et là, de ce côté, on devient quelque part les propres coupables, parce qu'on devrait savoir mieux que tout le monde. Et c'est quelque chose, en fait, dans mon équipe et dans mon service, je suis connue pour ça. Je leur expliquais en Colombie-Britannique, voici ce qui se passe, voici nos issues, voici nos défis et voici aussi nos besoins. Donc voilà. Merci. Oui, puis encore une fois, si je peux me permettre, mais si vous rencontrez des gens, puis surtout si vous changez d'équipe, puis qu'on est en mode virtuel encore, quand vous rencontrez des nouvelles personnes, prenez la peine de leur demander physiquement de où il ou elle travaille, parce que des fois, on peut avoir des petites surprises. Moi, ça m'est arrivé d'entrer dans un nouvel emploi, puis j'ai assumé que certaines personnes travaillaient de certains endroits, puis quand je leur ai posé la question des mois plus tard, finalement, travaillaient de quelque part complètement autre que ce à quoi je m'attendais. Fait que là, quand vous pouvez poser cette question-là, vous pouvez aussi avoir ces conversations-là plus tard avec ces gens pour demander comment a été ton parcours, puis avoir ces discussions-là, ça peut être très pertinent aussi. Donc, Merci, merci de dire ça, parce que 8 heures du matin à Halifax, c'est pas 8 heures du matin à Vancouver. c'est vrai. Surtout pour les réunions. Oui, c'est ça aussi. Oui, c'est pour ça quand que j'organise mes événements ou mes rencontres avec Avant-Garde, je garde toujours dans ma tête, OK, il y a du monde qui vont me venir de Colombie-Britannique, puis il y a du monde qui vont venir de Terre-Neuve. Fait comme j'essaie de faire en sorte que ça tombe dans les heures que tout le monde puisse participer d'une façon confortable. Donc, en gardant toujours derrière de ma tête, en considérant les gens autant que possible. Je suis pas parfaite, je suis certaine que des fois, j'ai pas considéré tous les points, mais je pense qu'une ouverture d'esprit à accueillir les commentaires des gens sur ça, quand tu es dans une position de leadership surtout. Je pense que c'est super important là, pour pas oublier justement les régions puis toutes les personnes qui sont pas dans la capitale. Oui, exactement. Donc, on peut passer à la prochaine question. Je suis en télétravail à 100% jusqu'au retour aux 2 jours au bureau en région. Est-ce que c'est vrai que les opportunités de leadership et EX de gestion sont plus pour la région de la capitale nationale? Car le sentiment en région est que les opportunités d'avancement sont plus lentes. Donc ici, on parle de monter les échelons là, de la fonction publique. Je vais être en fait un disque rayé, mais c'est l'importance en fait de connaître les programmes régionaux.
qu'il y a des programmes régionaux qui sont justement dédiés à la planification de la succession, la gestion de talents. Donc, une fois de plus, renseignez-vous sur ces programmes régionaux. Certains développent en fait ces futurs dirigeants. En ce qui concerne, je vais parler par exemple pour ma communauté, juste un exemple, mais ça existe pour d'autres. Il y a par exemple un programme pour en fait les nouveaux dirigeants noirs. Il y a également un programme qui a été lancé par le réseau des exécutifs noirs en partenariat avec OCRO. Et c'est l'un des exemples qui me vient en tête. Et les personnes qui se trouvent dans les régions ne sont absolument pas discriminées. Bien au contraire, elles sont encouragées à postuler pour ces emplois. D'où l'importance de se créer son petit village, son petit réseau. L'information fonctionne à merveille, de bouche à oreille. Et pendant qu'on y est, il y a en fait des outils que vous pouvez voir sur GC Connex, GC Collab, et même sur Facebook. Vous seriez surpris parce qu'il y a en fait des dirigeants qui, même s'ils vont, ils ont accès aux listes de candidats qualifiés, les postes ont déjà été promus, ou pas promus, mais les candidats ne sont plus disponibles. Donc, ils recherchent en fait du personnel. Pensez en dehors du cercle. Merci. Oui, il y a aussi LinkedIn qui est super populaire. J'étais vraiment sur LinkedIn avant, puis là, avec mon poste, avec Avant-Garde, j'ai plus commencé à l'utiliser. Puis maintenant, j'ai des connexions un peu partout au Canada. Donc, ça peut être aussi un outil qui est à votre avantage. Puis de plus en plus de fonctionnaires qui utilisent les médias sociaux pour du recrutement, justement. Là. Donc, varier ses horizons, c'est vraiment un bon point là, qui est d'être amené. Quant à la... À l'impression qu'on a que la plupart des hauts fonctionnaires se trouvent dans la capitale nationale. On a probablement cette impression-là parce que la majorité de des personnes se retrouvent là. Donc, c'est peut-être vrai en ce qui concerne des proportions. Mais dans tous les bureaux régionaux, puis ça, il y a aussi des postes IS ou IS-1. Donc, encore une fois, ça serait peut-être de contacter ces personnes-là ou leurs coordonnateurs, tu sais, de projet, puis demander peut-être pour des job shadowing, quelque chose comme ça. Pour moi, par exemple, j'ai commencé au centre de pension comme AS4 tout de suite en sortant de l'université. Puis d'habitude, pour être agent de consultation au centre de pension, il faut que tu t'as plusieurs années d'expérience, vous t'avez fait plusieurs jobs. J'ai commencé comme étudiante. Puis, quand tu es étudiante à l'occasion, au centre de pension, anyways, dans mon expérience, je ne sais pas pour les autres endroits, mais tu as l'occasion justement d'aller comme visiter d'autres sections du centre. Puis, j'ai été visiter la section, cette section-là. Puis, après ça, j'ai continué à comme tanner la gestionnaire de cette session-là, comme oublie-moi pas, je gradue l'été prochain. J'arrêtais juste pas d'y envoyer des courriels. J'ai fait ma tenante, là. Mais ça a marché. Puis après ça, ils m'ont offert un terme d'un an, puis qui s'est transformé avant la fin en poste indéterminé. Donc, autant que c'est pas toujours confortable de le faire, autant que c'est sortir de sa bulle, puis c'est pas tout le monde qui a pas nécessairement les outils, mais qui a comme le vouloir d'aller de l'avant comme ça. Des fois, c'est justement en faisant son propre réseau, puis là, peut-être, d'en gagner un peu confiance, ou
demander de l'aide, justement, il y a rien de mal à demander de l'aide aussi. Puis des personnes peuvent parler en non aussi, là, si jamais c'est vous autres, c'est quelque chose qui vous intéresse, moi. D'où l'importance de faire des contacts, mais vraiment, je suis quelqu'un qui fonce beaucoup, puis qui est vraiment tannant dans les choses de même. Pour moi, ça a fonctionné, puis pour d'autres personnes, ça fonctionnerait peut-être pas. Je voulais juste raconter un petit peu mon parcours là-dessus. Oui, certainement. Puis dans la même branche d'idées aussi, on ne sait jamais si on est en train de parler à une personne ou de passer une entrevue pour un emploi maintenant ou dans 2 ans ou dans 3 ans. Ça m'est déjà arrivé aussi de parler à des gens pour un emploi, puis je ne l'avais pas eu finalement, mais 2 ans plus tard, ils sont revenus me chercher pour me dire, hey, on avait quelque chose d'autre, puis de notre discussion, je pense que ça fait très mieux avec toi. Fait que ça aussi, c'est super important de pas se limiter au processus qu'on est en train de participer ou au sujet de conversation exactement qu'on est en train d'avoir avec la personne, ça peut toujours amener plus loin plus tard, on sait jamais. Merci d'avoir énoncé ce point parce que c'est quelque chose que les gens oublient bien souvent. Il faut faire attention parce que les gens, une assistante de direction aujourd'hui peut devenir dans 5 ans votre directrice. Faites bien attention à traiter les gens correctement. Parce que surtout lorsqu'on parle en fait de réseautage professionnel, bien souvent les gens ont en tête de lier des affinités avec les gestionnaires, les cadres supérieurs. Et en faisant ça, quelquefois ils sont tellement désobligeants avec leurs collègues ou leurs personnes qui ont un niveau de classification et groupe inférieur au sien. Ça, c'est une sacrée erreur. Parce que, comme on dit, il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas. Et je peux vous laisser imaginer le malaise qui pourrait s'installer si la personne que vous aviez méprisée ou minimisée il y a 2 ou 3 ans de ça devient votre collègue ou, encore pire, votre supérieur. Bonne chance. Hein? Oui, c'est sûr. Il y a une question dans le clavardage qui parle de quelque chose qu'on a mentionné plus tôt dans la session. J'aimerais en savoir plus en ce qui concerne à créer son propre poste. Donc, on parlait de ça tantôt. Si on pouvait élaborer là-dessus, puis j'ai l'impression en regardant le temps que ce sera notre dernière question. Alors, résoudre des problèmes, améliorer en fait un système va vous permettre de vous faire démarquer. Faites-moi confiance. Donc, si par exemple vous voyez un manque après avoir fait l'analyse et après avoir fait vos recherches, après avoir consulté d'autres personnes, je vous conseillerais en fait de toujours travailler en collaboration avec d'autres personnes parce qu'en fait vous aurez une vision globale. Mais en permettant justement de créer une solution pérenne qui améliorera les conditions des autres, vous fera remarquer. Tout à fait. Et n'hésitez pas après à partager ce processus. J'ai en tête, par exemple, un chef de service avec qui j'avais en fait commencé quand je travaillais pour une grande agence. Je pense que je vais quand même indiquer le nom de cette personne parce que cette personne est vraiment un parcours pour moi exemplaire de ce côté-là. Roy Nader. Je vais même le marquer dans la partie clavardage. C'est quelqu'un qui sait identifier un problème, le résoudre, rallier les gens autour de lui, et puis il sait en fait se créer sa propre image de marque. Et maintenant, il travaille pour Service Canada en tant que gestionnaire principal en communication. Mais voilà. Soyez ce type de personne et faites-moi confiance, les opportunités, vous pourrez les créer.
Si je peux ajouter un peu là-dessus, je parle de mon expérience personnelle, pour créer des opportunités puis créer mes propres emplois. La façon dont j'ai fait ça, c'est vraiment d'être authentique à plein, comme vraiment être authentique à 100%, puis pas, puis dire comme ma façon de penser, c'est sûr, d'une façon qui est correcte. Of course, mais j'ai pas peur de dire comment je pense, puis de justement de mettre en avant les problèmes que je peux voir, t'sais, mettre en avant les problématiques de entourant la diversité, juste l'environnement de travail. Je parle beaucoup, beaucoup de la santé mentale aussi. Je crois pas vraiment dans les tabous ou oui, c'est ça. Je crois pas vraiment le tabou, puis je suis quelqu'un de hyper honnête, puis qui est super authentique. Donc, des fois, ça peut me mettre des bâtons dans les roues, mais plus souvent que non, ça m'aide vraiment à créer mes propres opportunités, puis à avancer vers une carrière qui est bien pour moi. Puis, si on se ment d'une façon authentique à notre travail, on a vraiment plus la chance à ce moment-là. De trouver un travail qui est fait pour nous plutôt que rester dans un travail qui va pas nous apporter de la joie, qui va pas nous apporter le bien-être qu'un travail qui va avec notre personnalité authentique pourrait. Je sais pas si je m'exprime vraiment bien tout de suite. Des fois, mes mots se chamboulent un peu, mais vraiment, je pense que être authentique, c'est vraiment un élément clé pour moi, en tout cas. Oui, et puis de ça, je comprends aussi, c'est l'importance de poser la question pourquoi et parfois pourquoi pas. Des fois, ça peut nous avoir des réponses assez intéressantes qui peuvent nous mener loin. Donc, je tiens à vous remercier, Amélie et Elisabeth, pour le bel échange qu'on a eu aujourd'hui. Remercier aussi les participants. Vous avez posé des bonnes questions, puis on est vraiment reconnaissants de votre écoute aujourd'hui. Puis aux organisateurs du Réseau des jeunes pour la session d'aujourd'hui. Donc, on a une dernière petite question de sondage à vous poser. On ne partagera pas les résultats, mais la question est, on vous demande si cette session était un bon usage de votre temps. Donc, oui, non, ou je ne sais pas. Donc, pour ma part, je sais que ça a été très intéressant. Puis, en plus de la session d'aujourd'hui, il y aura également une occasion de réseauter avec d'autres employés de la fonction publique sur WonderMe de 16h à 17... 16h à 17h, heure de l'Est. Les liens vers toutes les sessions ainsi que pour l'événement de réseautage peuvent être trouvés sur Vie Expo et les ressources seront disponibles sur notre page Wiki du Réseau des jeunes Career Bootcamp et l'enregistrement de cette session sera également disponible sur notre chaîne YouTube. Donc, merci beaucoup tout le monde, puis je vous souhaite une belle fin de soirée. Merci beaucoup, Gabrielle, puis merci beaucoup au réseau des jeunes partenaires fédéraux de nous avoir invités, c'est super. Merci. Oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. Merci au réseau des jeunes fonctionnaires. Merci Gabriel, Amélie et toute l'équipe, en fait, de RJFF. Merci.